Ce vendredi 8 septembre, Charles III a rendu un tendre hommage à sa mère, la reine Elisabeth II, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Dans une note vocale diffusée sur les réseaux sociaux, le monarque évoque toute son émotion. Il y a tout juste un an, les Britanniques faisaient face à une triste page de leur histoire. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II rendait son dernier souffle au château de Balmoral à l'âge de 96 ans. Dès lors, le prince Charles, son fils, a immédiatement pris place sur le trône, devenant ainsi Charles III. Une responsabilité de taille pour celui qui était préparé à devenir roi depuis sa plus tendre enfance. Tout au long de l'année, Charles III et son épouse Camilla Parker Bowles ont tenté d'honorer le travail effectué par la reine Elisabeth tout au long de sa vie. 70 ans de règne et un dévouement inoubliable de la part de celle qui avait fêté son jubilé de platine. Une figure britannique inoubliable qui vient de recevoir un hommage particulièrement émouvant à l'occasion d'une journée très spéciale. Charles III rend hommage à sa mère ce vendredi 8 septembre 202 marque le premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II. L'occasion pour Charles III, son successeur au trône, de lui adresser un tendre hommage par le biais d'une note vocale diffusée sur les réseaux sociaux. À l'occasion du premier anniversaire de la mort de feu Sa Majesté et de mon accession au trône, note de la rédaction, nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous, a confié le père de William et Harry, avant d'ajouter, je suis aussi profondément reconnaissant, pour l'amour et le soutien qui a été montré à ma femme et à moi-même au cours de cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous. De tendres paroles qui précèdent sûrement celles d'autres membres de la monarchie.